Fally Ipupa en featuring avec l'artiste René Soso sur le titre Pembe. La prestation en audio et en image. Et tout de suite après, on se retrouve pour le petit commentaire. Mozamale wo meye Ogulu manga waza waye Toza bonela bilima oye Bilima mai boyaga oyoyo ye 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 Mamanga waleme, tamanga maleme, bazoza sangawa kepoko. Mama yaga. Alexandre Sosa.
Masike na Papa Patkao Mase Pusi Ana Masile Kaya Faliza La Mayele Yuda Teka Yesu Ah Malka Moni Yuda Teka Yesu Kakutu Kutu Bambuzu C'était donc là une magnifique interprétation du titre Pembe, la toute dernière sortie de l'artiste Fally Ipupa en collaboration avec René Soso. Fally Ipupa répondait ainsi à l'invitation qui lui a été faite de prendre part à la cérémonie officielle de lancement d'Afomédia, la chaîne de télévision dédiée à l'Afrique avec pour but d'offrir un narratif africain sans complaisance mais sans condescendance. Il s'agit là d'une initiative très louable d'un jeune panafricaniste, j'ai nommé Alain Foka. Mais qui est-il en réalité? Eh bien, Alain Foka est un journaliste et homme de médias camerounais né en 1964 à Douala au Cameroun. Il est considéré comme l'une des personnalités les plus influentes du paysage médiatique africain. Alain Foka a commencé sa carrière en tant que journaliste et a travaillé pour plusieurs médias au Cameroun et en Afrique. Il a été rédacteur en chef du journal camerounais Le Messager et a également travaillé pour la radio et la télévision. Alain Foka est connu pour son engagement en faveur de la liberté de la presse et de l'indépendance des médias en Afrique. Il a été défenseur vocal des droits des journalistes et a travaillé pour promouvoir la qualité et l'intégrité du journalisme sur le continent. Parmi les canaux de relais de contenu de Afomédia, Alain Foka a annoncé qu'Equinox fait partie des médias partenaires qui vont diffuser les programmes de sa chaîne. Sur cette chaîne donc, les téléspectateurs pourront s'attendre à une programmation variée qui mettra en valeur les perspectives africaines. Pour l'événement, les meilleurs artistes ont été minutieusement sélectionnés sur le continent, occasion pour ceux-ci d'apporter de leur visibilité à l'une des initiatives les plus salutaires de ces 10 dernières années sur le continent. On rappelle qu'Alain Foka est également à l'origine de la création de Mansa Group, une société de conseil qui propose des services de lobbying, de consultation, de communication et de marketing. La société compte 14 actionnaires africains, dont des avocats, des entrepreneurs et agro-économistes. L'on ne peut donc qu'être en extase face à de telles initiatives en l'honneur de l'africanéité. Vivement donc que le déploiement de cette structure soit véritablement effectif. C'était le patriarche Bikeye au micro de cette présentation. Humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.